On applaudit très très fort pour la France. Première reprise. Donc là, Brahim, la soirée commence par un combat donc hors championnat, qui est un combat donc de gala entre deux boxeuses, une française et une ukrainienne. La française dans le coin bleu, l'ukrainienne Konovalchuk dans le coin rouge. Aussi, Brahim, que le championnat d'Europe est organisé sous cette forme-là, c'est-à-dire que d'habitude, il y avait déjà un tournoi de qualification, voilà. Et ensuite, les finales étaient organisées, heureuse, complète et polyvalente. Voilà. À la borde et à l'approche, l'adversaire avec détermination, on le voit. Toujours dans le regard, même lors de sa finale là, des championnats de France, la même détermination dans le regard. Proclamation du résultat de cette finale, catégorie mouche, les moins de 48 kilos ce soir, déclarée championne d'Europe. À l'unanimité des juges, la rouge, Vikita Radionov. Le combat, la finale bleu, était, Fabregas. Était de très très haut niveau. Et oui, malheureusement, c'est donc un... Ce soir, à Boulogne, et champion d'Europe pour la France, Damien Fabregas, par jet d'éponge de la part... C'est vrai que c'est quelque peu frustrant. Jusqu'au bout. Et d'ailleurs, petit première scoop, il a l'intention de recombattre. Ah. Ouais. Il prend on n'arrive jamais à s'arrêter. Il a un élixir de jouvence, je pense. Alfoussenou, qui vient du club Omnisport Émergence. Finale des moins de 80 kilos, ce soir à Boulogne. Sacré champion d'Europe. À la majorité des juges. Et ce sera donc 8 titres de champion d'Europe pour l'équipe de France de Bob Sapp.